Voilà. Ça, c'est la France. Et on n'est pas beau là? Fais-moi un bisou. Faites-moi tous un bisou. Tous un bisou, tous un bisou, tous un bisou, tous un bisou. Ouais! Bon, on te laisse pas aller là. Je sais que vous aimez bien les petites vidéos de bouffe. Bon, là, c'est pas le resto. Il y a les moules. Il y a la paella. Il y a le Mont Blanc. On est de retour à la maison. Ça fait du bien. Il y a les potes. Good morning. Ça te plaît les cours de pilotage? Ah ouais, c'est trop bien. Y a que ça de vrai, un bon petit banshee de temps. C'est pas si petit au training. Voilà, dernier jour à la maison, on a sorti la bête un peu.
Un pull. Ça y est. Je t'abandonne. Je t'abandonne, crapule. On est de nouveau triste. Ça y est, on est arrivé à Road America. Enfin, à côté, on est allé à l'hôtel, on a mangé un bout. Et là, on est à devant le Lake Michigan. Il fait beau. Il fait 27-28 degrés. Tac. On est venu manger un bout au bord du lac. Et voilà, je rentre à l'hôtel en courant. Donc voilà, petit on réveille un peu le corps. C'est levé encore tôt ce matin. Encore un peu de jet lag, donc on se remet dans le rythme. Et demain, on va voir cette belle piste. Cette piste mythique qu'on a tous vue sur tous les jeux de PlayStation. Donc ça va être cool de pouvoir rouler dessus. C'est une piste super longue, 2 minutes 13, je crois. Donc ça va être cool. Allez, j'y vais. Ciao les gars. On est sur ce beau circuit de Road America, circuit de 6,5 km, un truc de vraiment un circuit de dingue, assez dur à apprendre parce qu'il fait 2 minutes 15, donc les séances passent vite, tu fais peu de tours, tu fais 12 tours par séance, donc pour apprendre le circuit c'est pas parce qu'il y a plus simple, mais ça reste un... Je me suis vraiment fait plaisir, je pense qu'on n'est pas parti avec, on est vraiment pas parti avec le bon setup à la première. On a essayé de faire une moto très stable pour les freins parce qu'il y a des gros freinages et en fait il faut surtout une moto maniable ici. Donc ça a été notre erreur. Après on a bien progressé en deuxième séance. J'ai eu un petit souci à la fin de la séance, j'ai pas trop amélioré mais je termine 4. Donc pour la première fois ici, voilà, les séances passent super vite, pas simple à apprendre, mais je pense que demain il y a Jake qui est très vite mais il y a moyen d'aller le chercher. Donc on va essayer de continuer à progresser et il reste 30 minutes comme d'hab de deuxième qualif pour aller avant de faire la course. Mais si, je pense qu'il faut arriver à gagner encore une petite seconde pour être dans le groupe et faire une course un peu intelligente et essayer de se battre, d'utiliser le point fort de ma moto qui est le moteur et qui est utile ici. Il y a presque 3 lignes droites d'1 km, même s'il y en a 2 qui sont
pas vraiment des lignes droites, c'est des gros virages entre les murs, mais ça reste sympa. Bon, allez, je vous emmène faire un petit tour dans, je vais vous faire voir le paddock. This one here, looking good. Et voilà. Bon, c'est toujours pas la première place, mais bon, c'est encore un week-end où on a tout changé sur la moto, où on a encore fait les changements. J'étais à 1:08 après la qualif, j'étais vert. Ça m'est rarement arrivé dans ma vie d'être aussi loin. Mais la moto, franchement, manque de grip, elle tourne pas assez court. Et les circuits sont super étroits, c'est un circuit de fou ici, mais super étroit. Et du coup, je suis jamais en position pour accélérer. On a fait un gros changement sur le bras oscillant juste avant la première manche, 20 minutes avant la première manche. Et c'était chaud parce que les 4 premiers tours, il fallait que j'apprenne à piloter la moto comme ça. Après, j'ai réussi à revenir doucement, 2 dixièmes sur Petersen et Fong. Voilà, en rentrant dans le dernier tour, j'ai essayé de doubler Bobby avant la ligne d'arrivée dans la ligne droite, j'ai réussi. Et vu qu'ils ont la même moto, je me suis simplement dit ok, attends la ligne d'arrivée et essayer de faire pareil sur Petersen, et c'est ce que j'ai fait. Donc je pense que c'est la première fois dans ma vie que je double 2 mecs coup sur coup dans la ligne droite. Donc c'est sûr qu'on manque pas de chevaux, c'est un missile cette moto. Juste qu'on finisse de trouver les bons réglages, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Chapeau encore à Jake qui a un rythme de fou, mais on va arriver à le choper, c'est sûr, et à rivaliser. Allez, on va débriefer et bosser pour demain.
Vous avez arrêté. World, raise them high, folks, make some noise for the big boys. Make sure you drink up. La relève. On est venu voir la relève. C'est les petits gars du team du Ducati New York. Bon, bah écoute, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. C'est comme ça. On avait vraiment fait un gros pas en avant après la qualif, on a refait un gros pas en avant après la première manche. Et même si j'y croyais pas du tout après la qualif de pouvoir me battre pour la victoire ce week-end, et que j'espérais me battre pour la deuxième place, après le warm-up, j'ai vraiment fait un bon warm-up, je finis P2 à 0-2. Et je pense, j'ai vraiment fini le warm-up en pensant pouvoir me battre pour la victoire. Et le plan, c'est peut-être d'essayer de partir avec Jake, de lui laisser faire un peu le boulot, de partir. Parce qu'il n'y avait pas grand monde qui avait le rythme pour nous suivre. Et d'essayer de le doubler à la fin, de l'attaquer comme j'ai fait avec les autres hier. Après, j'ai senti dès le départ qu'il y a un truc qui allait pas trop. Je pars mal, je me retrouve 5, je passe tout de suite à l'attaque 3. Et Peterson avait un bon rythme dans le premier tour, il arrive à suivre Jake. J'essaie de le passer à la fin du premier tour et quand je passe la 6, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je refais un tour derrière, j'arrive à doubler Peterson quand même. Et en fait, le moteur pète à la fin du deuxième tour. Donc voilà, rien d'autre. C'est la vie quoi, c'est les problèmes techniques, ça arrive aussi. Les pilotes font des erreurs, les mécanos, ça arrive qu'ils fassent des erreurs. Des fois, c'est la moto qui casse. Faut aussi cette chance-là pour que ça marche. Faut qu'il y ait tous les éléments réunis le jour J. Ils n'y étaient pas aujourd'hui encore, donc c'est dommage. Mais je pense qu'on a quand même trouvé une base qui marche bien. On va rouler, là, on va faire 2 jours d'essai. Ça va pas être l'idéal, les conditions, parce qu'on roule sur une journée de roulage, mais on va pouvoir faire quelques tours et continuer dans cette direction avec cette moto beaucoup plus courte, qui tourne beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai envie de remercier quand même tous les gars du team, parce qu'ils ont fait un boulot de dingue ce week-end pour changer la moto à chaque séance et tout. Et voilà, et je me suis régalé au guidon de la Ducati, c'était un missile. Et le problème technique n'a rien à voir avec ça, donc c'est comme ça. Jake, il a pété un moteur cette année, même 2, moi j'en ai pété 1. Ça arrive, c'est comme ça, c'est juste pas arrivé au bon moment, mais on va continuer à bosser et continuer à espérer des jours meilleurs, un peu plus de chance et continuer à se battre, comme d'habitude. Donc voilà, on quitte Road America où il y a eu 60 000 spectateurs aujourd'hui, un circuit de fou, c'était le bonheur de rouler ici devant autant de monde. Beaucoup de soutien de tout le monde, donc je me suis vraiment régalé. Juste dommage de partir avec un goût amer dans la bouche alors qu'il aurait pu avoir vraiment un super truc, mais voilà, c'est comme ça. Les mécanos sont déjà au boulot pour changer le moteur sur la moto et on va faire les essais là. Hop. Voilà, et là ça range le team et on part direct, on fait la route demain et après demain on roule.
Salut à tous. On est dans le Minnesota. On est à Brainerd. C'est un circuit où personne n'est à rouler en course depuis longtemps. On est venu faire un petit track day. Donc c'est des journées de roulage. Il y a la moitié de la. C'est des séances de 40 minutes. Il y a la moitié des séances de 40 minutes qui sont prises par Yam. Eux, ils roulent tout seuls. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu des Suzuki Boys et des Ducati Boys avec eux. Donc nous, on roule avec les autres, les amateurs, entre guillemets, ouais, les amateurs. Et on est venu faire deux jours. Suzuki a fait un jour. C'est pas. Ça va, on arrive quand même à bosser, c'est pas trop mal. On essaye beaucoup de choses sur la moto. Puis c'est important d'apprendre cette piste qui est super technique. Il y a une partie vraiment sympa, une partie un peu pourrie. Partie à des courbes en 4 et 5 à presque à fond, c'est top. Et voilà, on a un nouveau télémétriste qui est venu là pour ici et la prochaine course, qui est un télémétriste de Ducati en Italie, qui est venu pour nous filer un petit coup de main sur l'électronique. Donc ça, c'est top. C'est vraiment cool comme le team investit, réagit à chaque course pour essayer d'améliorer les choses et tout. Donc super content et fier de ce qu'on fait. Voilà, on continue à bosser. On rentre demain à Scranton et on repart. Donc demain on sera jeudi. Ça sera peut-être la fin du blog d'ailleurs, on va voir. Et on repart mardi à The Ridge. Donc ça va être court, mais c'est cool, ça s'enchaîne. Ça fait du bien de rouler souvent sur la moto. Ok. Happy birthday to you. Good morning.
Niente, che viaggio. Oh. Dai, scendiamo. Niente da fare. Ha preso. Niente. Non è funzionato, Peter. Mi sa che l'America stanca, eh? Stanca a lavorare con un francese, eh? Oh! Oh! Ha 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 ha!